Je danse depuis que je suis toute petite. J'ai toujours aimé la danse. J'adore la musique et j'ai remarqué qu'en fait, la danse, ça me servait beaucoup par rapport à mon handicap. J'ai toujours dit que lorsque je suis dans la rue, je danse. Parce qu'en fait, il n'y a pas de hasard. Toutes les gestuelles que je fais, il n'y a aucun hasard, il n'y a aucune surprise. On peut me voir pendant 15 jours marcher, je vais toujours faire les mêmes gestuelles. Sauf si je suis très très rassurée, là d'un coup, on va croire que je bois. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que j'ai mon chien guide. Donc c'est encore plus simple. Là, par exemple, Finlay est arrivé quand moi j'ai monté mon association. Donc je me déplace beaucoup, je donne beaucoup de cours. Et à un moment donné, très honnêtement, si j'avais eu ma canne, je pense pas que je ferais tout ce que je fais aujourd'hui. J'en suis pas sûre. Parce que c'est épuisant, mine de rien. La canne, il y a les résonances dans le bras, il faut quand même. C'est un autre travail. C'est pas du tout la même chose. Le chien est quand même là pour avoir le restant, ou même si on ne voit plus, pour avoir cette notion de plaisir et d'autonomie. J'ai les yeux plaisir, ou même quand je suis épuisée, je m'en fiche, je sais que c'est mon chat qui me ramène. Et ce qui est génial, c'est quand on prend les transports en commun, il sait bien se faufiler et il sait me trouver les places. Donc il sait lever les gens. Car lorsqu'on a une canne, eh ben, en fait, on s'aperçoit que dans les transports en commun, il y a énormément d'aveugles. Les gens ne voient pas. Ou alors sont cachés derrière un livre, mais ils ont des problèmes de vue aussi. Donc voilà. Quel est le principe de votre association, Fabienne? Alors, mon association, quand je l'ai montée en 2012, je l'ai montée parce que à l'époque, je cherchais une association pour personnes déficientes visuelles, enfin une association qui me permettrait, moi, de danser. Bah, j'ai vu quand même qu'il y avait pas mal de freins, de gens d'appréhension en fait. Donc je me suis dit, je veux ni aller dans un cours de danse pour personnes avec un handicap, je trouvais ça horrible. Je suis contre parquer les gens. Je supporte pas, rien que d'y penser, ça m'hérisse les poils, parce que je pense que il est bon d'aller avec les autres. Parce que rester tout seul ou entre eux handicapés, ça n'amène jamais rien. Ça amène dans une espèce de bulle de renfermement. Et enfin, après, c'est ce que moi je pense. Et moi, je me suis dit, bah ok, dans mon association, j'ai envie d'y retrouver des gens lambda à qui je vais faire découvrir ce monde de la déficience visuelle, mais au travers d'un art qui sera la danse. Il y a des personnes valides, des personnes malvoyantes ou des personnes atteintes d'autres handicaps. L'idée, c'est de ne pas focaliser sur le handicap ou quoi que ce soit. C'est on est là, on échange. En fait, pour une fois, c'est moi qui dois m'adapter aux élèves qui ne sont pas danseurs professionnels ou qui peuvent être danseurs professionnels. Donc, il va y avoir un petit échauffement. Ensuite, il va y avoir une mise en bandeau. Ensuite, il va Une y avoir quoi? une mise au bandeau. Je Ah fais d'accord. mettre le bandeau. Comme ça, on commence à comprendre la couleur de ce qui va se passer. Et après, je travaille énormément sur de l'improvisation. Et comment est-ce que vous pouvez faire faire des choses justement à peu près identiques à des gens qui ont un bandeau devant les yeux? Ils ont un cerveau. Donc, je vais faire appel à des mouvements très simples, des mouvements de la vie. En fait, comme je suis bavarde. Eh bien, ce cours-là, il est parfait pour moi en tant que prof, puisque là, à chaque fois, j'y mets des mots à chaque fois derrière. Par exemple, je ne sais pas si je vais demander d'avoir les mains vers le ciel, il va y avoir le visage qui va monter vers le ciel, le dos qui va s'étirer. Et en fait, voilà, c'est plein de sensations que moi j'ai, que je leur retransmets et que eux ont. Pour en revenir plutôt Oui. à votre parcours avant, Fabienne, est-ce que vous avez, à l'école par exemple, comment ça s'est passé? Alors. En fait, j'ai été malvoyante depuis toujours. Mais le souci, c'est quand on est enfant, on ne se soucie pas de savoir comment voit le voisin. Et surtout, on se dit, bah, ce que je vois, l'autre le voit. Et donc, par contre, à l'école, on m'a fait énormément redoubler, puisqu'ils me trouvaient très vif, mais en même temps assez lente pour lire, écrire, parce qu'en fait, il y avait comme de la dyslexie, enfin, ils ont tout mélangé. Ils se sont dit, elle n'aime pas l'école et puis elle est peut-être un peu bébête. Mais excusez-moi, mais ils ne vous ont pas fait juste passer des tests pour voir si vous deviez porter des lunettes ou... Je fais partie de l'ancienne génération où à l'école, les yeux, c'était pas la fin du monde. Puis en plus, dans la rétine pigmentaire, il suffit que ce jour-là, le tableau, il soit bien mis dans la lumière et que ce jour-là, mon œil, il est en pleine forme. Enfin, à l'époque, c'était mes deux yeux, mais
je ne percevais pas sur les côtés. Mais mon champ central est parfait en fait. Je distingue très bien les choses. Donc quand j'étais petite, c'était un peu plus large. Donc, et puis je faisais tellement de bêtises que l'infirmière, elle se refusait de. Parce qu'il y a des fois, j'avais une basse vision, puis 15 jours plus tard, elle me refaisait la même chose. Mais ce jour-là, j'étais bien lunée, donc ouais, je vois tout. Bon, ils se disaient non, petite Fabienne Ostend, hein, elle n'aime pas l'école, on l'a bien compris. Et donc voilà, ils m'ont fait redoubler avec insistance, mais ça ne marchait pas. Et c'est à 17 ans qu'on me dit, à 13 ans, on me dit, voilà, vous êtes atteinte de rétinite pigmentaire. Merci madame, au revoir, à bientôt. Et puis moi, donc, je ne calcule pas dans ma tête. Personne ne vous a expliqué ce que c'était? Mais non, l'ophtalmo a été contente d'avoir trouvé le nom de cette maladie, puisqu'il venait de trouver un nom à cette maladie. Mais voilà, après, j'ai jamais revu. Et à 17 ans, quand j'ai travaillé à l'hôpital, et ben là, à ce moment-là, j'ai l'ophtalmo qui me regarde et qui me dit, mademoiselle, vous allez devenir aveugle. C'est une dégénérescence progressive? Voilà, c'est la même que la macula. Mais c'est l'inverse. La macula, c'est le champ central les cellules du champ central qui meurent. Et à l'inverse, moi, c'est le champ. Je vois comme dans un trou de serrure, si on veut une idée. Quand je regarde un visage, moi, je vois le nez. Il y a des lumières, mais alors, comme ça, c'est vraiment, vraiment rétréci. Par exemple, l'œil droit ne voit plus. Il me reste plus que l'œil gauche dans mon champ central. Il y a des moments, je perçois. En fait, ça donne comme un flouté. Et plus je vais rentrer dans mon champ central, et plus ça va devenir net. Donc, le détail. Dans la rétine pigmentaire, ce qui est horrible, c'est qu'en plus de devenir déficient visuel, on ne supporte pas la lumière. Donc ça peut, on peut faire des crises d'épilepsie. En fait, moi, il m'arrivait beaucoup de problèmes. Donc, quand je vais dehors, j'ai les lunettes. Quand je suis en dehors de chez moi, que je suis chez les gens, j'ai mes lunettes. Voilà. Plus j'ai mes lunettes et plus je retarde la maladie. Et surtout, ça fait star d'avoir mes lunettes. Il n'y a pas de problème. Comme je dis, je veux bien être handicapée, mais si on peut être jolie au passage, ça peut être sympa. Et je me suis toujours habituée à mon environnement. Et donc, quand j'ai dû prendre la canne, c'est parce que je prenais les transports en commun, j'avais mes lunettes et je cognais dans les gens, puisque des fois les gens ne font pas de bruit. Et puis, c'est dans ma manière de procéder, si j'en étais pas à écouter tout ce qui se passe autour de moi. Donc, un jour, j'ai failli tomber sur les rails et là, la personne en plus me dit, ouais, t'as qu'à retirer tes lunettes, tu te crois où, sur un défilé de mode. Et là, j'ai fait, ouh. Si tous les jours j'entends ce genre de réflexion, je vais finir par rester chez moi et je vais plus vouloir bouger. Donc l'idée, c'est ma vie à moi, je ne vis pas pour les gens qui sont à l'extérieur, je vis pour moi, je vis pour ma sécurité. Donc j'étais voir mon ophtalmo, j'ai fait, bon, bah, je veux une canne blanche. Alors, elle m'a regardée, elle m'a dit, mais pourquoi faire? Bah, pour marcher avec. Parce qu'au moins, comme ça, les gens seront avertis. Et puis, si demain ma vue, elle diminue plus, eh ben moi, je suis préparée. Il n'y a pas de souci. Donc, j'ai utilisé la canne pendant 8 ans. Et puis après, au début, je voulais pas de chien guide. Parce que vu que j'allais très très vite, je menais ma petite barque très bien, je me suis dit, je vois pas pourquoi je vais prendre un chien. Ça va me ralentir, je me disais. Et puis, je sais pas, les années passent, hein, on vieillit, et on se dit, tiens, pourquoi pas un chien guide? Et là, voilà, coup de foudre avec Finlay. Bah, ça m'a rendu valide, en fait. Parce que ce qui est marrant, c'est que. Dans les transports en commun, on pense que je vois. Donc très souvent, on me fait « Ah, vous êtes éducatrice de chien guide ?» Je fais « Non, c'est moi la bigleuse. » Donc c'est ça qui est marrant. C'est en fait, oui, j'ai une particularité, mais si on veut, c'est ma force. Parce que je m'interdis rien et que je me mets un coup de pied, involontairement, je me mets un coup de pied aux fesses en me disant « Bon, au lieu de râler, fais. » Et il y a une chose pour moi qui est très importante, c'est que mon mari, il est une femme. Et pas moi que j'ai mon médecin, ou alors ma spéciale dédicace, je m'énerve sur lui parce que la société ne me comprend pas. Je pense qu'il n'a pas besoin de ça et on a besoin d'avoir une relation de vrai couple. Et mon fils, c'est pas ma canne. Je veux que ça soit mon fils, que je puisse le disputer, râler en tant que mère. Je lui fais les coups montés parce que, par exemple, je lui fais faire les devoirs. Bien sûr, je vois pas grand-chose. Mais tant que moi j'y crois. Donc je lui fais l'enfer. Et des fois, il y a des gens qui me disent, oh, t'exagères quand même, le pauvre, il écrit bien. Oui, mais moi, je vois pas. Et pareil pour la lecture, quand il a fallu l'emmener à la lecture, au lieu que ça soit moi qui lise des histoires, c'était lui qui me lit des histoires. Et aujourd'hui encore,
Donc voilà, donc ça crée des complicités, ça, on en parle, mais alors normalement. Et ce qui est marrant, c'est quand ses copains ils viennent à la maison, ils font, t'es sûr ta mère elle est malvoyante parce qu'elle bouge, hein, elle fait plein de choses. Bah, malvoyance, on n'a pas dit, on a dit empotée, hein, on n'est pas empotée, on va très très bien. On a juste les yeux qui vont pas bien, ça s'arrête là.